Bonjour, Monsieur Serge. Bonjour Stevie. Ah, ça fait plaisir de te voir Ah déjà. On va laisser les formalités. On est entre nous oui. jeunes, On est donc, entre nous, on est voilà. entre nous. Donc, je suppose que on va être décontracté comme on peut. Je suis ici dans l'appartement très particulier de Serge. Et Serge, vous allez avoir le temps de savoir ce que Serge fait au quotidien parce que les livres derrière là, il y en a énormément. Et vous allez voir pourquoi c'est un grand lecteur et pourquoi c'est un amoureux de la lecture. Alors, Serge, ça fait combien d'années que tu es en Allemagne? Pour être précis, on va être un peu là, un peu plus de presque 10 ans. Dix, presque 10 ans. Presque 10 ans. Wow. Bon, c'est qui Serge en fait, pour ceux qui sont connectés là, parce que beaucoup vont forcément se demander qui est Serge. Voilà pourquoi Stevie nous parle aujourd'hui de Serge. Alors, qui est Serge Foua? Bon, je m'appelle, en fait, Serge Foy, c'est mon nom d'artiste, donc ce diminutif de mes du premier et du dernier prénom, parce que mes sur l'acte civil, je m'appelle Fouba, mon QR, puis le nom de mon père, Paul Julio Serge. Bon, je n'ai pas voulu m'encombrer avec tout ça. Comme je n'avais pas envie de prendre un pseudonyme ailleurs, j'ai préféré prendre Serge, Oui. qui est un prénom que j'affectionne particulièrement, parce que, avec toute l'histoire qu'il y a derrière, du fait de don, Fouba, qui est mon propre nom. Donc, je suis artiste, comédien et metteur en scène. Au théâtre comme au cinéma. Voilà. Alors, artiste, comédien, metteur en scène, ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne comprennent pas, qu'est-ce que les gens s'attendent à voir? C'est quoi? C'est acteur? Ce n'est pas acteur, c'est dans le théâtre. Et qu'est-ce qu'il fait particulièrement? Bon, il faut dire qu'à la base, j'ai une formation théâtrale de comédien de théâtre. Parce que les gens pensent généralement que le métier de comédien ne s'apprend pas. Bon. C'est un métier qui s'apprend et qui peut demander de longues années d'apprentissage pour maîtriser exactement tous les rouages du métier et tout, de sorte à ce que qu'on puisse être à l'aise, que ce soit sur des planches ou devant une caméra. Et tout ça s'apprend. Donc, j'ai fait une formation théâtrale, puis j'ai fait une formation de cinéma, mais là, pas comme comédien. Mais là, comme réalisateur, parce que j'avais envie de comprendre ce qui se passe quand on est plutôt assis de l'autre côté de la caméra. Nicolas, Oui, Babacar. c'est toi? Oui, où est-ce que vous êtes? Dès demain, nous serons à la frontière. Bon, mais Tu viendras nous récupérer? il y a un problème. Qu'est-ce qui vous a amené à aller dans le cinéma, à continuer dans le cinéma, dans l'œuvre théâtrale? Parce que beaucoup de personnes qui quittent le Cameroun, par exemple, qui viennent ici, ont du mal à continuer dans le métier que dans le métier comme cela. Parce qu'au Cameroun, c'est plus les débrouillards qui se lancent dans le métier dans le cinquième art. Je vais dire, c'est une très bonne question et puis c'est vrai ce que beaucoup de gens ont du mal à continuer dans le même métier. Mais quand on a une bonne formation de base, partant de, en ce qui concerne le théâtre par exemple, moi j'ai pas été formé théâtralement en Europe, j'ai été formé en Afrique, d'abord au Cameroun, où quand j'ai décidé d'embrasser la carrière d'artiste, comédien, metteur en scène, où j'ai après avoir pris la décision ferme, j'ai commencé à traîner d'abord avec à l'université Yaoundé, à la faculté des arts et spectacles de théâtre, puis De de Yaoundé Yaoundé 1, 1, non? Ok. avec quelques amis que j'ai connus là-bas qui étaient aussi passionnés de théâtre, qui eux étaient étudiants réguliers là-bas. Moi j'étais là en hôtel, et puis ensemble on a créé une compagnie de théâtre avec quelques-uns. Donc j'ai beaucoup traîné avec ces gars-là. Puis nous sommes arrivés en ville, au centre culturel, au Cameroun, il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas une vraie politique culturelle, il n'y a pas une vraie formation de théâtre, si ça a changé un peu, parce qu'il y a quelques écoles quand même qui ont été créées ces dernières années, j'en connais quelques-unes, parce que c'est des amis à moi et des grands frères qui gèrent cette école, que je pourrais même d'ailleurs peut-être recommander à ceux qui veulent poursuivre la même passion. Donc alors on a créé une compagnie. On a commencé à monter des spectacles, puis on a commencé à travailler, à participer aux ateliers, aux workshops. Et comme on avait soif d'une vraie formation théâtrale, donc moi j'ai quitté le Cameroun. Je suis d'abord parti au Burkina Faso parce qu'il y avait une école de théâtre qui venait d'ouvrir là-bas. Donc je me suis rendu de ce côté-là pour faire une formation dans une école de théâtre qui s'appelle le CEFAP, le Centre de formation en arts vivants de Ouagadougou.
Oui, à Ouagadougou. Donc là, je suis resté à peu près un an et demi dans cette école. Parce qu'après, j'avais, entre-temps, je poursuivais déjà une autre carrière de metteur en scène. Donc, j'avais un spectacle que j'avais fait avant de partir du Cameroun qui avait plus ou moins marché un peu. Donc, on a fait une tournée nationale au Cameroun et après le spectacle était invité à participer à un festival en France et il était programmé pour une tournée dans quelques villes. Donc, j'ai été obligé d'interrompre ma formation. Au bout d'un moment, je suis retourné au Cameroun, puis je suis parti en France. Et quand je suis revenu, j'ai eu d'autres perspectives. Donc, j'ai continué à travailler. Donc, la carrière a continué à se mettre en place au Cameroun jusqu'à ce que j'obtienne une bourse pour venir faire une autre formation en Allemagne, ici à Berlin, dans la mise en scène. Voilà. Mais ça, c'est dans quelle ville maintenant que tu vas venir en Allemagne? En principe, je participais à un programme qui s'appelait Hospitation Programme. C'est un programme de résidence pour les artistes, peu importe le domaine, la danse, le théâtre, la comédie, la mise en scène, mais dans le domaine des arts vivants, qui consistait à venir et travailler dans une institution pendant 3 mois et prolongeable une fois donc à 6 mois. Mais finalement, je suis venu sur un autre programme qui s'appelle le Forum, qui est une plateforme de rencontre pour les artistes et qui est organisé, qui fait partie, qui a une rubrique d'un festival qui se tient à Berlin chaque année, qui s'appelle Théâtre Forum, qui malheureusement n'a pas eu lieu cette année à cause du corona. Donc il y a une version digitale. Donc tu as là par exemple l'affiche du théâtre Treffen. Ça c'est l'affiche de 2016. Moi j'étais en 2011. Donc ça c'est l'affiche de 2016. Donc c'est une grande plateforme dans le théâtre germanique. Oui. Et comme pour répondre à ta question, quand on n'a pas une bonne formation, c'est vrai que c'est difficile. Et c'est encore plus difficile si on vient dans un pays dont on ne pratique pas la langue. Donc ça a été un vrai parcours de combattant. Déjà, il fallait s'installer ici, il fallait maîtriser la langue jusqu'à un certain niveau pour pouvoir s'exprimer sur la scène en tant que comédien et marquer déjà sa présence dans l'espace, parce que le théâtre, c'est d'abord la parole. Donc, Mais qui t'a motivé personnellement dans le théâtre? Parce que, comme je disais, il y a beaucoup de personnes qui font le théâtre au Cameroun pour se débrouiller. Mais maintenant, quand tu arrives en Europe, en Allemagne particulièrement, tu maîtrises la langue, mm-hmm. tu décides toujours quand même de continuer dans le théâtre au lieu de faire d'autres métiers comme d'autres personnes. Et est-ce qu'à ce moment, il y a quelque chose que tu te dis pour continuer dans le théâtre? Comment est-ce que tu restes aussi fort? C'est la patience, c'est quoi l'élément sur lequel tu t'appuies? Ça, c'est... Merci pour la question. C'est vrai, il faut dire, c'est vrai qu'il y a, comme disait, comme a dit un ami un jour, je ne sais plus, dans une de ses chroniques sur Facebook, que l'Europe, c'était le cimetière des artistes. Bon, ça, c'est une affirmation qui peut se discuter. Donc, dans les deux sens. Dans un autre sens, c'est vrai. Dans un autre sens, c'est pas vrai. Parce que quand on vient en Europe, on vient s'installer comme artiste, venant d'un autre espace et tout, s'imposer. On est d'abord vraiment happé par les problèmes du quotidien et tout. C'est pour ça que beaucoup, au final, abandonnent et se reconvertissent à autre chose. Mais moi, j'ai été nourri à ce métier par la passion, par l'envie de faire le théâtre. Parce qu'il faut dire que pour ceux qui sont nés au Cameroun dans les années, fin des années 90, début des années 2000, qui n'ont pas vu l'avènement de la télé, ne peuvent pas comprendre. Mais nous, quand la télé est arrivée au Cameroun, et ça a aussi ouvert au Cameroun, on avait des programmes de théâtre. On avait de très grands comédiens camerounais. Il y a toute une génération d'eux qui sont morts, il y en a qui vivent toujours aujourd'hui. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir les regarder jouer à la télévision. Et je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient, mais j'avais la curiosité de savoir ce qui se passait. Parce qu'il y avait, par exemple, une émission qui passait à la CIA TV à l'époque qu'on appelait Les Feux de la Rampe. Les Feux de la Rampe. Les Feux de la Rampe, c'était un programme théâtral qui passait à la télévision nationale, à CTV, qui est devenue la CIA TV à l'époque. Et ils passaient des grands classiques de pièces de théâtre africaines, par exemple, Le Fusil des gens d'Edi Penda qui a été joué, La Mamie de Kokambala,
ou alors il y a Bokassa, des pièces de théâtre des classiques où tu voyais toute une panoplie de bons comédiens camerounais s'exprimer. Et comme moi, je suis fan de l'art de la parole. Et quand je voyais ses grands frères déclamer ou jouer leur texte avec une certaine force, une élégance, ils croyaient en ce qu'ils faisaient. Contrairement aux autres films américains qu'on voyait que j'appréciais, même si j'affectionnais, mais je sentais un peu ça loin de ma réalité parce que, mais quand je voyais des Camerounais, je me disais, c'est possible. Donc c'est resté ancré C'est ton esprit. dans mon esprit. Et quand j'ai grandi, j'ai envie d'en faire un métier, mais je n'avais aucune idée, je ne savais pas que c'était possible d'en faire un métier. Et quand je suis arrivé en classe de première, donc j'avais mon professeur de français, qui se rappelle qu'à l'époque, j'aimais beaucoup lire, parce que quand on lisait des pièces, Ah, ça se voit que tu aimes beaucoup lire, hein, derrière, ça on se lisait voit. des pièces de théâtre, et j'y allais toujours avec beaucoup de passion. Il me dit, mais je vois particulièrement que vous affectionnez beaucoup le théâtre, monsieur, si vous voulez, vous savez que vous pouvez en faire votre métier. Je dis, mais non, moi je pensais que les gens faisaient ça à la télé pour s'amuser. Et c'est comme ça qu'il m'a conseillé. Je suis donc allé au Centre culturel français à l'époque. Ça, c'était en 2000. C'est devenu l'Institut C'est français de du Yaoundé Cameroun, de maintenant. Yaoundé, voilà. Donc j'ai rencontré Elvis Tongo, Azop, paix à son âme, qui était justement une des comédiennes que j'ai eu la chance de voir à la télé jouer avec son feu mari. Puis j'ai rencontré Evina Ngana. Donc je cite le nom, donc tout le monde ne va pas connaître ici, mais Evina Ngana, tout le monde le connaît, on l'a tous eu. Celui qui récitait les contes à la radio à l'époque, qui disait Aoula Aoula. Aoula, histoire, raconte, qui sont des gens dont j'ai eu la chance de tomber entre les mains et qui m'ont appris le métier avec beaucoup de passion. Bien que les artistes ne soient pas traités à leur juste valeur au Cameroun, mais ce sont des personnes qui faisaient ce métier vraiment avec beaucoup de passion et avec beaucoup d'engagement. D'engagement. Et ça m'a marqué. Puis j'ai croisé une autre génération après eux, dont je me suis lié d'amitié. Il y en a qui vivent ici. Il y a Martin Ambarac, je vais citer, avec qui j'ai eu beaucoup de discussions, qui me disait, tu sais, le théâtre, c'est vraiment un métier. Quand on veut le faire, et quand on le fait avec beaucoup de passion et de patience, il finit toujours par nous le rendre. Et je crois qu'il n'avait pas tort de me dire ça. D'ailleurs, il a aujourd'hui une école de théâtre qu'il dirige au Cameroun, qui s'appelle Otni, le laboratoire de théâtre Oui, Yaoundé, Otni est qui est connu. en face de la Fédération camerounaise de Nampundo. Tout à fait. Il y a eu toutes ces générations-là, ce qui fait que moi, je m'étais promis, je me suis dit, pour rien au monde, je vais abandonner ce métier. Je ne suis pas venu faire du théâtre par aventure ou bien par manque, je vais dire, par Débrouillardise. absence d'autres perspectives. C'est pour ça que quand je suis arrivé ici en Europe, c'était difficile dès le départ. J'ai dû refaire d'autres formations, j'ai appris d'autres méthodes de jeu par rapport à ce que je n'avais pas appris au Cameroun. Il a fallu que je réapprenne encore la langue allemande, que je la maîtrise, les rouages, parce que je joue en allemand aussi. Et je me suis dit, coûte que vaille, je n'abandonne pas, je suis là-dedans. Depuis que je suis à Berlin, ça fait 10 ans, je fais que du théâtre, du cinéma, je fais rien d'autre. Et voilà. Je savais que tu mentais depuis le début. Je me protège. Quand tu évoques une profession intellectuelle, tout le monde pense que tu es faible. Tu sais, c'est pas facile. Quand je voyais tous ces gens souffrir, qui avaient besoin de médicaments et qui n'avaient pas d'ordonnance, faute de moyens pour consulter un médecin. Je devais les aider. Et j'ai violé la loi. There's a man who steals my chickens. Once a week he comes here to steal them. I'm sorry. It's okay. You have to thank you. Whatever we can do for you. Oh, I think I can do much more for you than you for me. Where are you from? Cameroon. Oui. Au Cameroun, pour dire, on a beaucoup d'avantages en tant que Camerounais d'abord à la base,
on a beaucoup de particularités. On a une particularité que beaucoup de pays en Afrique n'ont pas. Déjà, on a 250, presque 250 langues qu'on parle. En plus de ça, on a deux langues officielles qui sont le français et l'anglais, qui sont aussi des langues qui se parlent un peu partout dans le monde. Je veux dire, quand on a appris ce métier, qu'on sait profiter de ces avantages-là en tant que comédien, ça peut nous ouvrir beaucoup de portes. Moi, j'ai joué ici en Allemagne, j'étais dans une production, dans un opéra, sur lequel j'ai travaillé pendant un an. Et où, quand ils se sont rendus compte de cet avantage-là, ils m'ont fait jouer en trois langues. Donc, j'ai joué en allemand, j'ai joué en français et j'ai joué en une langue maternelle. Je me rappelle que j'ai appelé ma mère une fois parce que je n'arrivais pas à traduire une phrase de la langue parce que je ne voulais pas le faire dans un langue. Parce que même dans nos langues maternelles au Cameroun, que ce soit les Wondo, le Boulou, le Baleng, le Bandu, il y a des degrés de langue. Et moi, je voulais vraiment le faire dans un niveau de langue assez soutenu. Et ça, je peux dire que ça les a envoyés un peu plein à la figure. Donc vraiment, ça fait baver pas mal. Parce que je m'exprimais avec beaucoup d'aisance dans cette langue-là. Je m'exprimais aussi avec la même aisance en allemand et la même aisance en français. Et ça a apporté une plus-value au spectacle dans lequel je travaillais. Donc je me dis, quand on a l'avantage d'être né dans un pays comme le Cameroun, quand on fait un métier comme celui-là, il n'y a qu'à voir comment beaucoup de musiciens camerounais ou d'artistes camerounais s'expriment assez aisément sur les scènes internationales. Parce que le fait d'avoir aussi cette diversité linguistique, culturelle et tout, c'est un enrichissement, c'est très enrichissant pour les Camerounais. Alors là, je vais être un peu chauvin, je dis pour les Camerounais parce que, ayant grandi dans un contexte comme celui-là, où on voit toutes ces différences, c'est tout ça. Que les gens le disent souvent, même à tort, peut-être par exemple, dit que le Camerounais, tu le mets n'importe où, il va s'en sortir. C'est pas faux. Ok, c'est pas faux. Je vois. Merci encore, Serge, pour cette interview que tu m'as accordée. Je suppose qu'on aura le temps de parler encore d'autres éléments du 5e A au Cameroun, dans la diaspora en général. Donc, c'est moi qui te remercie vraiment pour l'entretien. C'est un métier passionnant, comme tu es passionné par le journalisme que tu fais. Et moi, je dis, si quelqu'un a envie de faire du théâtre et qu'il sent qu'il a les capacités de le faire, qu'il n'hésite pas. Et dans le théâtre, il n'y a pas que la comédie. Il n'y a pas qu'être sur le plateau comme comédien. Au théâtre, on peut être auteur, on peut être technicien de théâtre, on peut être décorateur, on peut être costumier, on peut être... Et tous ces métiers-là existent. Même chuchoteur. Hein? Même chuchoteur. Hein? Siffleur. Ouais, siffleur, voilà, merci. Donc, et au Cameroun, il y a des amis là au Cameroun qui forment dans ces métiers-là, qui forment dans les métiers de scénographe. Il y en a à Yaoundé, il y a Douala, il y en a qui forment dans le métier de costumier. Parce qu'il y en a qui viennent faire des stages ici, c'est ce qu'on ne dit pas. C'est comme c'est un métier, c'est, comme tu dis, c'est un art qui est considéré un peu comme un art mineur au Cameroun. Mm-hmm. C'est pour ça que beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe dans ce secteur-là au Cameroun. Tout à fait. Pourtant, c'est un secteur qui bouge. Qui est porteur. Et qui est porteur. Ok, donc merci encore. Chers amis qui nous suivez, merci d'avoir pris le temps de nous suivre. J'ai eu un entretien avec Serge Foa de chez lui. Il est un érudit déjà du 5e A, c'est-à-dire du théâtre, de l'art, de l'acteur, de l'action. Et il est aussi, outre cela, réalisateur. Ça veut dire qu'il peut se mettre de l'autre côté de la caméra pour comprendre exactement ce qu'il faut faire sur la scène et derrière la scène. Et voilà. Donc, merci de nous avoir accordé cet entretien. C'était un plaisir. Rendez-vous pour une autre fois, certainement dans le cadre toujours du même genre de contenu. Donc, s'ils veulent regarder les courts-métrages que j'ai faits, c'est vrai que depuis 2014, j'ai plus fait de courts-métrages. C'est juste qu'ici, je suis en préparation avec un ami d'un long-métrage en co-écriture, mais j'ai choisi de ne pas être derrière la caméra, mais sur l'écrit, parce que c'est une œuvre autobiographique. Donc, moi, je serai devant comme acteur et lui, réalisateur, mais une co-écriture commune. Mais ils peuvent aller sur mon site, j'ai un site. Ils auront le lien du site en bas. Là, ils pourraient aller regarder les courts-métrages.
reportage que j'ai regardé peut-être voir où j'ai déjà joué et tout, et plus ample information. Et si quelqu'un a envie de savoir un peu plus sur les écoles de formation de théâtre au Cameroun, ils n'ont qu'à m'écrire. Et moi, je vais à l'email qui va s'adresser là en bas. Oui. Super. Donc, merci encore pour l'entretien. Rendez-vous la prochaine fois. Avec plaisir.